L'aviation civile congolaise traverse depuis près de deux décennies une zone de très forte turbulence qui n'est pas de nature à favoriser son essor. Et pourtant, au regard des vastes dimensions du territoire du Congo démocratique, 2 345 000 km² au cœur de l'Afrique, assurer l'intégration sociale et économique de par le mouvement des personnes et des biens, ainsi que la nécessité de relancer les activités économiques, constitue un impératif qui plaide en faveur du transport aérien, qui de ce fait passe pour un des secteurs stratégiques pour le développement de la RDC. Ils sont légion les problèmes qui assaillent le transporteur aérien. Pour en savoir plus et entrevoir des perspectives que réserve 2014 au secteur du transport aérien en RDC, Pachi Chimangabula et Température économique ont rencontré Jean-Marc Pajot, qui s'est volontiers prêté à nos échanges. Transport aérien, perspective 2014.